Bon, allez, on va se dépêcher parce que très sincèrement, je pèque à dalle. Bienvenue les gens dans un nouveau challenge bouffe. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est un sac McDo que voici que voilà. Et on se retrouve donc pour un 50 nuggets challenge. Par contre, j'ai un problème les gens. C'est que les boîtes de nuggets par 20, ben, tu peux pas en prendre par 10. Donc, nous avons une boîte de nuggets par 20 ici, une autre boîte de nuggets par 20 là, et vous avez donc une dernière boîte de nuggets ici par 10, donc ça vous en fait 60. Pour le challenge, je vais donc évidemment retirer 10 nuggets d'une des boîtes pour avoir évidemment totalement le compte. Nuggets donc posés à part, nous avons les sauces. Et les sauces, il y en a! Il y a tout ça! Nous allons nous installer et commencer donc les choses sérieuses. Au niveau donc des sauces, nous avons la classique curry, la classique chinoise, la classique barbecue, beaucoup de classiques, hein, la creamy deluxe et la classique moutarde. J'ai faim, je pète la dalle. Donc nous allons attaquer les choses sérieuses. Voici la première boîte de 20 nuggets. Les deux autres sont ici. Il y en a une où je retirerai donc 10 nuggets. Et c'est parti pour la bouffe. Voici donc la boîte. On va commencer à manger. On va manger une nature pour commencer. C'est vraiment une phrase que je me laisserai jamais dire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de bouffer quand t'as faim? Je sais pas comment je vais faire pour m'enfiler 50 nuggets, mais je vais tout donner les gens. Oh putain, d'ailleurs, on va tout mettre sur la table. Je nettoierai après. Voilà. Pas de nuggets vides. Hop. La deuxième. Voilà. Et la troisième. On va en prendre 10. 1, 2, 3 et 4, hein, ils sont 2. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il reste 10 nuggets dans la barquette. Moi je vais pas m'amuser à les compter, hein, mais bon, vous me croyez quand même les gens, j'espère, hein, au vu de toutes les nuggets qu'il y a dans le carton. Bref, voilà. Donc on va rassembler tout ça ici. On va faire la petite photo de miniature. Et nous sommes donc partis, hein, puisque vous avez ce tas qui va dégrossir à vue d'œil, je pense. Ça en fait quand même de la bouffe, hein. On va ouvrir les sauces. Donc sauce curry ici. Ah, j'ai jamais goûté celle-là. Ah, j'espère qu'elle va être bonne, hein. Hop, la sauce classique moutarde. Hop, la sauce classique chinoise. Et hop, et la barbecue. Voilà. Allez, c'est parti. On continue, on mange. Un petit peu de barbecue. Le but du jeu, évidemment, hein, c'est pas de se rendre malade, hein. Donc si j'arrive pas le défi, vous le verrez bien à la fin, hein. Bon, c'est quoi ça? Curry. Allez, on goûte. Ouais. La curry, elle est pas top, hein. Dans toutes les sauces McDo, c'est laquelle que vous préférez généralement? Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est ça? Classique chinoise. Sauce chinoise, tu la manges plutôt avec des nems, hein. Je suis pas fan non plus, hein. Bon. C'est que ça en fait quand même, hein. Alors évidemment, c'est un challenge qui m'a été demandé de nombreuses fois dans les commentaires. Et en plus, j'ai vu plusieurs youtubeurs le faire et franchement, ça m'a quand même donné grave envie. Il y a quand même des youtubeurs qui sont capables de s'enfiler sans nuggets. Truc de fou. Dans l'estomac, ça doit plus être un estomac, là, enfin. La clé dans tout ça, c'est bien mastiquer. Comme ça, on tasse bien. Mais ça va, les nuggets sont encore chaudes. Ça, c'est cool. N'empêche comment je pétais la dalle.
J'ai fait exprès de me réserver un petit peu ce midi. Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? 2 jambons de poulet, 2 kiwis. C'est vous dire si c'était light. Bon, franchement, le temps d'attente au drive du McDo, j'étais mais comme un dingue. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis dit, je vais me pointer au McDo tout de suite après le boulot. Comme ça, il n'y aura personne. Il y aura moins de monde. Ah ouais. Il y avait déjà 3 personnes devant moi. Il était 18h30 quand je suis arrivé au McDo. Ça veut dire qu'il y en a qui mangent tôt. Hein. 7h30, ils ont mangé. 8h, ils sont au lit. Remarque, moi, la semaine, je suis à peu près pareil. Je mange tôt, mais je me couche pas tôt. Mais franchement, quand je suis arrivé au guichet pour me faire servir, allez, sans déconner, hein, j'ai attendu une bonne dizaine de minutes, mes 3 paquets de nuggets. Ah ouais. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des youtubeurs qui étaient capables de s'enfiler sans nuggets. Alors, regardant un peu les défis sur YouTube, je suis tombé sur un Américain. Il a commandé 2000 nuggets. Les gens au McDo, ils l'ont pas cru. Ils l'ont pas cru. À tel point, je crois qu'ils ont relevé sa carte d'identité. Bon, par contre, je vous avouerai que les 2000 nuggets, le mec était pas tout seul pour les bouffer. Hein. J'étais 10. Ouais, 10. 2000 nuggets à 10. Ça fait 200 nuggets chacun. Ah ouais, quand même. Bon, je vous avouerai que je commence un petit peu à caler. Il m'en reste combien? On va les compter. Hein. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Super. Je ne suis pas arrivé à la moitié déjà encore. Souhaitez-moi bon courage. Franchement, je me demande comment ils font pour s'enfiler 50 nuggets quand même. Mais franchement, c'est impossible. Oh putain. Oh la vache. J'en avais complètement oublié l'essentiel. Bouteille d'eau pour boire. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Mais franchement. Comment ils font? Je suis quasiment calé quoi. Oh, la sauce barbecue, elle a pris cher. Hein. La tonne de bouffe que ça représente, c'est un truc de malade. C'est pas possible, c'est plus un estomac, c'est un bulldozer. Bon, les gens, ça sent la défaite. C'est impossible. C'est impossible. Il en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Putain la vache, je l'ai bouffé 31. Comment ils font? Je suis limite à tout balancer dans un shaker, tout mixer, tout avaler. Au moins, ce sera bien pré-mâché. Instant d'amour. C'est pas possible, déjà, je crois que je vais arrêter là, parce que sinon, je vais être malade. Et franchement, c'est vraiment pas le but. Ah, franchement, j'ai pété tellement la dalle au début du challenge. Oh, voilà, 32 nuggets d'avaler. Je me sens dopé face à des youtubeurs qui sont capables de s'enfiler 50, voire 100 nuggets comme ça dans une vidéo. Franchement, c'est super showtime. Déjà 32 là, je peux vous dire que j'ai sans passer, ça va être un truc de malade.
Je m'avoue vaincu. Je n'ai donc pas réussi ce défi de manger 50 nuggets. D'ailleurs, pouce bleu à tous ceux qui y arrivent. Franchement, là, chapeau, chapeau, chapeau. Bon, je suis vraiment désolé, mais encore une fois, c'est un challenge qui est perdu pour moi. Je ne pourrais vraiment pas m'enfiler 50 nuggets. Si, à la limite. Par contre, je pense que je vais rester cloué derrière. Je ne termine pas cette vidéo sans vous remercier pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment super plaisir. Vous êtes très très nombreux à interagir sous les vidéos et ça c'est cool. Et surtout les gens, surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao. Putain, je vais crever moi.